Ces plantes grimpantes deviennent subitement rougissant, signe que l'été s'en est allé. Après le temps des promesses et des fleurs printanières, voici celui des fruits et de leur plénitude. Et leur chair savoureuse garde l'empreinte des baisers du soleil estival et des frémissements des soirées orageuses. Ils sont la juste récompense du jardinier patient et judicieux. Parfois aussi, ils sont purs cadeaux du ciel et des ondées d'octobre, tels ces champignons cachés dans les herbages ou les sous-bois humides. Thank you.
Est-ce la nostalgie des équipés de leur lointain devancier du paléolithique qui pousse tant et tant de nos contemporains à parcourir avec leurs chiens, futés et guérés, à la recherche d'un gibier malheureusement de plus en plus rare? L'automne, tant des fruits, serait-il également celui des fleurs? Beaucoup, en effet, s'évertuent à jeter, pour notre plus grande joie, des notes multicolores aux abords de nos demeures et de nos jardins publics. Pourquoi sont-elles là, sinon dans le but de fleurir nos tombes, en illustrant ces paroles de l'apôtre? La vie n'est pas détruite par la mort, elle est transformée.